Louis et Marie Ducruet ont épousé le plus beau rôle de leur vie le 4 avril dernier, jour de la naissance de leur premier enfant Victoire. Si la famille monégasque est sous le feu des projecteurs, hors de question pour autant d'exposer la petite fille sur les réseaux sociaux pour l'instant. Et la raison est plus que légitime. Devenir parent, si est-il être entièrement responsable d'une petite personne qui n'est pas encore en âge de prendre ses décisions. Si est-il là que les rôles du papa et de la maman sont plus qu'importants. Louis et Marie Ducruet ont accueilli leur fille Victoire le 4 avril 2023, ils en savent donc quelque chose. Pas question de confier leur bébé à une nounou pour son éducation, ils sont déterminés à tout faire eux-mêmes malgré leur appartenance à une famille princière. Leur but est de passer le plus de temps possible avec leur fille, quand ils ne la confient pas à la marraine Camille Gottlieb ou à la grand-mère Stéphanie de Monaco. Mais ils veulent surtout la protéger. Dans une interview accordée au magazine Point de Vue ce mercredi 3 janvier, Louis et Marie Ducruet ont expliqué pourquoi le visage de Victoire ne serait pas exposé sur les réseaux sociaux. Du moins pour l'instant. S'il accepte volontiers de dévoiler des photos avec leur fille en masquant son identité, comme récemment pour leur tout premier Noël passé à Troyes, ils n'iront pas plus loin pour l'instant, Victoire est encore très jeune, nous voulons garder un peu d'intimité et ne pas l'exposer tout de suite. Elle a tout le temps de l'être, compte tenu de la famille dont elle est issue. Notre priorité restera toujours son bien-être, sa sécurité, explique Louis Ducruet. Marie Ducruet, elle, est un peu plus catégorique, évoquant l'un des plus grands fléaux qui sévit sur les réseaux sociaux, « Je lis beaucoup de choses sur ce qui touche à la pédocriminalité. Tout va tellement vite sur les réseaux sociaux, on ne se rend pas compte du nombre de fous qui traînent là-dessus et de ce qu'ils peuvent faire de la plus banale des photos. » Je n'ai pas envie de courir ce genre de risque. J'estime que la vie privée de Victoire ne regarde personne. Une exposition publique inévitable. Louis et Marie Ducruet ont conscience que le visage de Victoire sera un jour ou l'autre dévoilé aux yeux du monde, mais ils tiennent à ce que cette révélation ait lieu dans un moment officiel pour la famille monégasque, et pas entre deux stories sur Instagram. Bien sûr, il y aura des photos d'elle un jour, mais j'imagine cela dans un cadre officiel, à l'occasion d'événements comme la fête nationale par exemple, rappelle Marie. Pour autant, ils ne sont pas encore décidés à le faire et ne se mettent aucune pression à ce sujet, nous ne voulons pas faire de plan sur la comète, rappelle Louis. Nous verrons au fil du temps, et en fonction des occasions qui se présenteront. L'une d'elles pourrait être le baptême de Victoire, attendu l'année prochaine, Victoire aura un an et sera encore plus éveillée qu'aujourd'hui. Affaire à suivre.